Salut à tous et bienvenue sur Pure Novelas. Aujourd'hui nous parlerons d'Onjaime Mondragon dans la série La Force du Destin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Son vrai nom est Juan Félix Gutiérrez Puerta. Il est né à Guadalajara, Jalisco, le 8 novembre 1943. Il est le fils de l'actrice espagnole Ofelia Guillemin et frère des actrices Esther Guillemin et Lucia Guillemin. L'œuvre de l'un des acteurs les plus importants du Mexique et l'un des plus aimés du public est innombrable. Il s'est imposé comme un acteur de premier plan à la télévision, avec plus de 30 rôles principaux. Parmi ses participations les plus représentatives figurent La Gata, El Espejismo Brillaba, Yosenia, Viviana, El Hogar que Yo Robe, Gabriel y Gabriela, Valeria y Maximiliano, La Antorcha Encendida, Mardi de Amor, La Fuerza del Destino et plus récemment dans Que Bonito Amor. Au cinéma, il a participé à plus de 25 films, dont Mentira, avec Lupita d'Alessio. Au théâtre, il est sans aucun doute l'homme de théâtre du Mexique, avec plus de 45 ans de carrière artistique. Parmi les plus connus, citons La Hormiga avec Amparo Rivel. Il a reçu le prix du meilleur acteur de théâtre en 2011. En 2013, il entame l'une des saisons théâtrales les plus réussies de tous les temps, Made in Mexico, avec Rafael Inclán, Socorro Bonilla et Rocío Banquell. Quant à sa vie sentimentale, Ferrara était marié à l'actrice Alicia Bonet, avec qui il a eu deux fils, Juan Carlos Bonet et Mauricio Bonet, tous deux acteurs. Il a ensuite épousé l'actrice Elena Rojo, mais ce mariage s'est soldé par un divorce. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de partager la vidéo pour nous encourager. À très bientôt sur Pure Novelas.